Troisième essai, non, pour l'instant c'est Van der Merde qui le récupère. Et l'intervention de l'arbitre s'est sifflé, messieurs, s'est sifflé. Ouais, ça c'est reparti. Alors vous oui. Là par contre c'est un peu plus sérieux. Ouais mais ça se chamaille. Il n'y aura pas que de points. C'est plus possible. C'est plus possible. Ouais. Des prises de judo. On est déjà en train de franchir les limites de ce que l'on voit normalement au niveau international parce que la Stuart Hogg. Ouais non là c'est n'importe quoi maintenant. Là il faut que ça s'arrête parce que. Il y a des choses qu'on ne veut absolument pas voir sur un terrain de rugby. C'est pas des messieurs. Et je pense que c'est un petit peu pour ça que les esprits s'échauffent. On parlera de ce match pour les essais magnifiques qui ont été inscrits. On parlera de ce match pour ce qu'on est en train de revoir parce que World Rugby n'en restera sûrement pas là. Il y a beaucoup trop de choses là qui se sont passées et qui sont absolument. Alors qu'il se passe ouais. Rien sur cette action, juste quelques poussettes. Ouais, il y a absolument rien qui nous justifie. Alors bon, après si on revoit le match, je pense que oui, Richie, le capitaine écossais, voilà, a été parfois pris. Je pense tout à l'heure à l'essai là sur une voilà où il est un peu écarté. Les Écossais aussi un petit peu frustrés, un petit peu en colère du comportement des Argentins.